doing? And qu'est-ce que tu fais means what are you doing in life? What are you doing in life? So we say, ah, bonjour Hans. Bonjour Hans. Qu'est-ce que tu fais? Means what are you doing in life? So what can we say? Qu'est-ce que tu fais? Je Oui, you can say je suis à la maison. How about if you want to say I am a secretary. I am a secretary. I work as. la mansion. Oh, non, Je suis. If you je want to suis say. secrétaire. Oui, je suis secrétaire. Je suis secrétaire. Je suis à la maison. Je suis à la maison. Yeah, I'm at home. Je suis secrétaire. How about I am a computer guy. I am a computer guy. I'm working computering, like programmer. You know? Je suis Je suis programmeur. Oui, je suis Je programmeur. On peut dire je suis programmeur ou je suis informaticien. Je suis informaticien. suis un peu. Informaticien. Je suis programmeur. How about I live in Changsha. I live in Changsha. J'habite à Changsha. Oui, très bien. Qu'est-ce que tu fais? Oh, j'habite à Changsha. Qu'est-ce que tu fais is a very wide question. So it can be, where do you live? Are you married? What is your job? You know? So here we can say, oh, j'habite à Changsha. Je suis secrétaire. J'étudie. J'étudie. Je travaille à Changsha. I work in Changsha. Je travaille à Changsha. What else can you say? So. Ouais, ok, j'habite à Changsha. Ok, that's ok. I think we can start with the a little bit. So that was lesson 14. I think we can. I don't know if we have to see something. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, je fais. Je fais. Je fais. What can you do with je fais? Je fais. And then something. Qu'est-ce que tu fais? Je fais. Bon, je suis secrétaire. Ok. So, how about do you know how we could say I am on holidays? I have on holidays. I am on Do you remember? I'm not sure if we saw it. We saw it a little bit, but maybe we didn't practice. Je suis, I am, je suis on holidays. Je suis, I actually forgot about it. Maybe it's difficult with this. Je suis en vacances. Je suis en vacances. And the contrary of holiday is to work. So how to say I work? Ah, sorry, yeah, sorry. Je suis en vacances. Together, I am on holidays. And yeah, as always, I always tell you, just take a small notebook like this at the end, so you can just write the few sentence for this lesson. So this is the lesson of the book is lesson 14. Lesson 14. So you can write like this on top of the book, like this. Lesson 14. Then you just say, oh, je suis en vacances. Qu'est-ce que tu fais? Je suis secrétaire. Je suis programmeur. J'habite à Changsha. Ok, this kind of things. Qu'est-ce que tu fais? Ok, hein, donc c'est bien. Hein. I think this is. Qu'est-ce que tu fais? Maybe I can ask you. Maybe we can try to do this one. I will send you the. Ah, yeah, this is one. I will send you the page. Let's try and do le numéro 4. L'exercice numéro 4. Number 4. Numéro 4. Numéro 4. Alors, if I ask you, je vais commencer la question. Qu'est-ce que tu fais? Can you read the number 1? Numéro 1, qu'est-ce que tu fais? Can you just read? Wait, what which number one?
la phrase number one. I will write, type it for you. Qu'est-ce que tu fais? Can you read the number one? Je. Est-ce que je travaille dans un bar? Oui, je travaille dans un bar. Je travaille. Je travaille dans un bar. Oui, and what's the name of these people who work in the bar? What's the name of this? A barman. Oui, très bien. Barman. Un barman. Je suis barman. Je suis barman. Ok. Maybe I will give you another one. Numéro 3. Le 3. Numéro 3. Can you read it? Qu'est-ce que tu fais? In fact, we can do number 2 first. Yeah. Well, let's do number 2, sorry. Qu'est-ce que tu fais? Okay. Je joue de la guitare. Oh, you don't need to remember the rest of the sentence. Je joue de la guitare. Je joue de la guitare. So, what would be this kind of job? Je joue de la guitare. I play the guitar. I play the guitar. It's the same word as in. It's the same as in English. Je joue de la guitare. Je suis. In English, we say what? Someone who plays some music. Musician. Oui, je suis musicien. Musicien. Je suis musicien. Je suis musicien. If you need time, this is. Oh, I think you can remember. Barman, musicien. Il y a. Je suis musicien. I am musician. Je suis barman. I am barman. Okay. Musicien. Okay. In France, there are many Chinese musicians. Musicien chinois. You know, there are many Chinese musicians. You know, there is Long Long. You know Long Long? Yeah. Long Long is very famous all over the world. Il est musicien. Il est musicien. Il est musicien. Let's read the number 3. Donc, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Hold on, let me just find out. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille avec des ordinateurs. What is that? Ordinateur. Je travaille avec des ordinateurs. I work with computer. I work with computers. Je suis. Well, hold on. We just saw it before, like you can say. I know. Well, hold on. Let me just do. Well, hold on. Je fais des photos. Non, how about je travaille avec des ordinateurs? Je travaille avec des ordinateurs. What's the name of the work? Je suis un fort. Informaticien. Je suis informaticien. I am a computer guy. I'm a programmer. Ou je suis programmeur. Je suis programmeur. I work with computer. I am programmeur. Ok. Oui, alors le suivant. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Le 4. Qu'est-ce que tu fais? Je fais des photos pour un journal. Pour un journal. Oui, je fais des photos. Just forget pour un journal. Just say. Je fais des photos. I do some photos. I do photos. I make photos. I do photos. What is this? Donc, je suis
photo. Photo edit. So someone in English we say photographer. I am. Photographer. Je suis photographe. In French, photographer. In English, in French we say je suis photographe. Okay. And the last one. Qu'est-ce que tu fais? Le 5. Je. Wait, hold on, please. Take your time. Je fais. Qu'est-ce que tu fais? Je fais. Qu'est-ce que tu fais? Je fais du cinéma. Oui, très bien. Je fais du cinéma. I'm a filmer. I would say I'm a movie star. I'm a movie star. Je suis une. Je suis une star. Je suis une star. I'm a movie star. I'm a movie star. Or I'm an actor. I am an actor. I am an actor. In French. Je suis un acteur. Je suis acteur. Je suis un acteur. Je suis acteur. Okay, don't worry because all these words, all these jobs, we didn't see them. But you see, it's very similar to French language. Un barman. Let's repeat together. Un barman. Un barman. Un barman. Un musicien. Un musicien. Un programmeur. Un programmeur. Un photographe. Un photographe. Un acteur. Un acteur. Oui, très bien. And you need to remember. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? And then, très bien, très bien. What are you doing? And then you can remember also, je suis, I am, ok? Qu'est-ce que tu fais? Je suis, je suis, and even you can say, je suis acteur, je suis barman, je suis musicien, je suis photographe, je suis acteur, je suis, ok? Je suis chinois, je suis français, je suis Hans. Je suis Hans. D'accord? Très bien, très bien, très bien. Let's start the next lesson, ok? On va commencer la leçon suivante. Donc, le dimanche matin. Le dimanche matin. Hop, I send you the book. Le dimanche matin. Dimanche matin. Sunday morning. Alors, we'll see the question. Sunday. Wait, sorry, I need to answer. Okay, sure. Allô? Oui, bonjour monsieur, entreprise AST pour la recherche. Oui, oui, oui. Oui, je me permets juste de vous appeler, j'ai un petit peu d'avance, je viens d'arriver à côté de chez vous. Ah, d'accord, d'accord. Ben, je vous ouvre. Ah, d'accord, d'accord. Dites-moi quand vous êtes en bas, alors. Je sais pas. D'accord, mais je descends, je vous ouvre. À tout de suite, à tout de suite. I'm sorry because the guy, the worker is here. So I will just open him very quickly, okay? Okay, sure. Can we just take maybe 5 minutes? I go downstairs, I open him and then we can go on. Just call him when you're ready, okay? Okay, j'arrive. I think 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Okay. Il y a 5 photos. Il y a 5 photos et il y a 5 people. 5 personnes. 5 people. There are 5 people. Okay? There are 5 people. So let's each of them they tell us what they do on Sunday morning. Okay? So the question is qu'est-ce que vous faites le dimanche matin? Qu'est-ce que vous faites le dimanche matin? Let's repeat together. Qu'est-ce que vous faites le dimanche matin? Le dimanche matin. What do you do Sunday morning? Qu'est-ce que vous faites dimanche matin? Qu'est-ce que vous faites le dimanche matin? So we'll try to figure out. So le 1. Le dimanche matin. Let's repeat together. Le dimanche matin. Oui, le dimanche matin. Le dimanche matin. Je fais un footing.
Je fais un footing. Je fais un footing. Ensuite, je joue au foot. Je joue au foot. Je joue au foot. Je joue au foot. Je joue au tennis. Ou au tennis. Donc je joue au foot, je joue au tennis avec des amis. Avec des amis. Et l'après-midi, je me repose. Oui, très bien. So which follows do you think it is? B. Alors, you think it's B? Oui, B, très bien. I also think it's B, oui. Le 1, B. And I will ask you, I will show you some follow, then you can tell me what it is. Alors, the first one is this one. The first one is this one. Alors, ça c'est... Qu'est-ce... Ça qu'est-ce... How, which sentence would you say this? Je fais... Je joue au foot. No, it's not foot. This is running. Oui, running. Running is footing. 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 Je fais un footing. Je fais je un. Je fais un foot. Or you can also say je fais un jogging. Je fais un jogging. You know jogging. I go je running. Fais un jogging. I go running, in fact. How about this one? This one. What would you say about this one? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Je joue à foot. Oui, je joue au foot. Je joue au foot. Je joue au foot. Oui, très bien. Je joue au foot, je fais un... how about this one? Wait. Ah, takes time. Wait, like ah. Ok, très bien. Donc, now it's very popular sport in China. This one. Qu'est-ce que tu fais? Je fais un tennis. Oui, je fais un tennis ou je joue au tennis. Je joue au tennis. Je fais un tennis. Très bien, très bien. Very good. Alors, and then... if I ask you, it's 8 a.m. What is a.m. in French language? A.m. Oui. In English, we can say it is 8 a.m. How would you say a.m. in French language? Or sometimes. Le matin. Oui, le matin. Le matin. And sometimes you say it is 8 p.m. How, what does p.m. means in French language? Wait, hold on, let me think. You can see in the text, huh? You can search in the text. Everything is in the text. Après
L'après-midi. Oui, l'après-midi. Très bien, l'après-midi. So all this is important. You can take on the book and write leçon. So lesson. Leçon 15. Leçon 15. Then you say you can write. Je joue au foot. Je joue au tennis. Le matin. L'après-midi. Le matin. L'après-midi. Un footing. Ok? Très bien, très bien. So you can write this just on the book. So. Or on the documents. You can write on the computer as well. Up to you. So after you have it. Ok. Just take your time. Okay. Take your time, don't worry. Prends ton temps. Or you can do this after if you want. After the lesson or during the lesson. Ok. Alors, on va regarder ensemble le 2. On va le lire ensemble. Moi, je fais les courses. Moi, je fais les courses. Et ma femme prépare les enfants et elle joue avec eux. Et ma femme prépare les enfants et elle joue avec eux. Je fais les courses. Je fais les courses. Elle joue. Elle joue. Elle joue. Avec les enfants. Avec les enfants. I will explain after, ok? Ou alors... George, yeah? Oui? So, but I only have one battery left. Oh. And even though I'm charging, I don't know... So slow, so we may suddenly stop. Don't worry. If we are cut, you can recall me. Okay. Donc, let's see. Alors, je fais les courses. Je fais les courses is very important. It means I go shopping. So which follow? Do you think which follow is it? Je fais les courses. E. Oui. I go shopping. Ah, je fais les courses. E. Je fais les courses. Ah bon? Où? Where do you go shopping? Où? Can you tell me? A mall. Yeah, a mall. How to say the supermarket? Carrefour, Bubugao, Walmart. They are all supermarkets. Supermarché. Le supermarché. The supermarket. Ok. Je fais les courses au supermarché. Les courses. Je fais les courses. Where do you go shopping? Où tu fais les courses? Je fais les courses. Le supermarché. Oui, je fais les courses au supermarché. Je fais les courses au supermarché. Oui, très bien. And then something that I wanted to show you was avec. So avec, for instance, you can say avec. Did I show you? With some friends. So, avec. I am with some friends. Je suis avec. Oh, what would you say? Some friends. Des amis. Des amis. I am with some friends. In the first dialogue, dans le 1, on voit... je joue au tennis avec des amis. Je joue au tennis avec les amis. Ok? Je joue au tennis avec des amis. Which means I play tennis with some friends. Je joue au tennis avec des amis. I play tennis with some friends. Je joue au tennis avec des amis. This one,
is thin. So I will show you a photo, then you can tell me. Okay. So how about if you go shopping like this? You go shopping with your mother. You go shopping like this. You go shopping with your mother. How would you say? I go shopping. How to say I go shopping? I do shopping. Je fais la course. Je fais les courses, ouais. Avec. Je fais le avec des membres. Avec des amis, but how about with my mother? Avec. Avec mes membres. Avec maman, avec maman, avec maman. Je fais avec les maman. Courses. Je fais les courses avec maman. I go maman. Shopping with my mother. With mother. Okay. Let's see the number 3, le 3. Donc, qu'est-ce que vous faites le dimanche matin? Qu'est-ce que vous faites le dimanche matin? Numéro 3. We read together. Le dimanche matin. Le dimanche matin, je fais le ménage. Je fais le ménage. Après, je me lave. Après, je me lave. Et je m'habille. Je m'habille. Ensuite. Ensuite. J'écoute de la musique. J'écoute de la musique. Je lis ou j'écris à des amis. Je lis ou j'écris à des amis. Je lis ou j'écris à des amis. Des amis. So here, the most important sentence is je fais le ménage. Je fais le ménage. So je fais le ménage, I will tell you because you cannot know. Je fais le ménage is I clean the house. I clean. Je fais le ménage. So which photo is it? A, B, C, D, E. C'est quelle photo? Quelle photo? A. Oui, c'est A. C'est la photo A. C'est la photo A. Très bien. Bravo, bravo. 3. C'est A. 3A. 3A. Oui. Je fais le ménage. Je fais le ménage. So you need to remember. Je fais le ménage. So if you want, you can take the book and you can write je fais le ménage. Je fais le ménage. Oui, oui. Après, je me lave. Do you know je me lave? You remember je me lave? Je me lave is I wash. I clean, oui, I clean, I wash myself. Et je m'habille. Je me lave. I clean myself. Je m'habille. Do you remember? Je m'habille. I think we saw je m'habille. Or maybe not. Je m'habille is I dress myself. I get dressed. I get dressed. You know? I dress myself. Je m'habille. Je m'habille. And j'écoute de la musique. I listen to some music. J'écoute de la musique. J'écoute de la musique. I listen to some music. Ok. Je lis. Okay. I read. J'écris. I write. Okay. Anyway, the most important is je fais le ménage. Let's read together the number 4. Alors, moi. Moi. Oh, hold on. Moi. Tous les samedis soirs. Tous les samedis soirs. Je vais en boîte. Je vais en boîte. Et je rentre. Et je rentre. Vers 5 ou 6 heures du matin. Je
5 ou 6 heures du matin. Alors moi, Alors, moi. le dimanche, Le dimanche, je dors je dors. et je me lève à midi. Je me lève à midi. So here, the most important one, the one you can underline. You take the pencil and you can underline in the book. You can underline is je dors. Je dors. Je dors. I'm So, sleeping. oui, je dors. So, which photo would it be? A, B, C, D, E. C'est quelle photo? C'est A? C'est A? C'est A, c'est D, oui, c'est D, c'est D, c'est D, oui. 4, 4, c'est D, c'est la photo D, c'est la photo D, oui. And do you know why? Why she sleeps? Why? Why she tired? So, le dimanche, je dors. And why she sleep on Sunday? What does she do on Saturday night? Saturday night. Samedi soir. Saturday night. Where does she go? I go. Where does she go? What does she say? I go. Je vais en. Je vais en boîte. En boîte. Je vais en boîte. Do you know what is boîte? Je vais en boîte. This is boîte. Oh. This is the disco. You know the disco? Party? Yeah, the boîte, la boîte, boîte means box. And in fact, it's the club. So many French people... The young people, oh. They like to go to the club and they dance like this, you know? Oh, okay. So usually it's like 18 years old to 25, maybe. 18 à 25 ans. Je vais en boîte. Okay? Je vais en boîte. I go to the disco. Okay. Je vais en boîte. I go to the disco. Je dors. I sleep. I sleep. Ok? Donc très bien. Let's read the last one. The last one, le dernier, c'est Ah! Ma femme et moi. Ma femme et moi. Nous prenons le petit déjeuner vers 9h. Nous prenons le petit déjeuner. Le petit déjeuner à 9h. Le petit déjeuner à 9h. À 9h. Après, on va au marché. On va au marché. À midi, nous déjeunons avec nos enfants. Nous déjeunons avec nos enfants. Chez eux ou chez nous. Oui. Alors, here's is a few things. Alors, le petit déjeuner. Which one? What is petit déjeuner? C'est quelle photo? C'est A, c'est B, c'est C, c'est D, c'est E. Which one do we have left? C. Oui, c'est C. Très bien. C. 5 égale C. Et sur la C, on voit they are eating. What they are eating? Dinner. Breakfast, lunch, breakfast, breakfast, lunch, dinner. No, yes, it's breakfast. Breakfast, we say le petit déjeuner. Le petit déjeuner. Le petit déjeuner. How about lunch? What do we say for lunch? Le petit déjeuner. Le dé. Le déjeuner, le déjeuner. Petit déjeuner, it means small lunch, small lunch. Small lunch is breakfast, okay? Petit déjeuner.
And what time do they take le déjeuner? You understand? Do you know? What time does he eat le déjeuner? 9 o'clock. Non, ah oui, le petit déjeuner à 9h. Et le déjeuner, je mange le petit déjeuner à 9h. How about le déjeuner? Je déjeune à, what does it say? Midi. Midi. Midi, what time is midi? Midi, midi is what time? Midi, can you guess midi is what time? 12 o'clock? Oui, midi is 12 o'clock. Midi means midday. Midi. Midday. Of the day. Midday. Midi. So midi is 12. 12 a.m. Midnight. Do you know midnight? Midnight is what night? What time? Yes. Is 12 p.m. Midnight, middle of the night. Midnight is 12 in the morning. Yeah, 12 in the morning. Midnight is 12 in the night, the middle of the night. We say minuit. In French, we say minuit. 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 The middle of the night. Midnight, okay. Donc, très bien, très bien. Here, what we are going to do is we are going to review some of these action words. So I show you and you tell me what I am doing. Okay. Running. Yeah, so how jogging. Do you say? Je fais un jogging. Je fais un jogging. Très bien. Je fais un jogging. And then now I say, c'est combien? C'est combien? How much? C'est combien? Je joue les courses. Je fais les courses. Oui, très bien. Je fais les courses. Je fais les courses. Oui, très bien. I go shopping. Je fais les. What is that? Oh, vacuum cleaning? Yeah, we always use this in France. We always use this to clean. To take the dust away. Je fais le manche. Je fais le ménage. Le ménage. Oui, très bien, très bien. Je fais le ménage. Je fais le ménage. Bravo, très bien. Je fais le ménage. Oui, très bien. Maybe what else? Ok, ready? Prêt? Tennis. Wait, how do you say tennis again? Hold on. Je joue au tennis avec des amis. Oui, avec des amis, or you can say, je joue au tennis. Très bien, je joue au tennis. Je joue au tennis. Je joue au tennis. Je joue au tennis. I'm sleeping. How do you say that again? Je dors. Oui, très bien. Je dors. Le dimanche matin. Je dors. Oui, très bien. Je dors. So very good. Je fais le ménage. Je dors. I think it's good. It's very good. Donc je joue. Je fais le tennis. Je joue. I think it's okay. This is the most important. Oh yeah, there's one more. Oh, disco. Maybe listening to music. Listening to music. Oh my god. Je vais à bruit. Oh, we can say j'écoute. J'écoute de la musique. J'écoute de la musique. J'écoute de la musique. Don't worry. J'écoute de la musique. C'est bien, hein? J'écoute de la musique. I think it's many, many new words, so it's very difficult for you. I listen to music. So, yeah, many action words. So, just remember the most important. The most important is je fais les courses. I go shopping. Je fais les courses. Je fais les courses. Je fais les courses. Je fais le ménage. Je fais le ménage. Oui, très bien. Je joue au tennis. Je joue au tennis. Je dors. Je dors. Oui.
Je fais un jogging ou je fais un footing. Je fais un jogging. C'est un jockey. Oui, and then very important is le matin, le dimanche matin. Le dimanche matin. Ouais, le dimanche matin. 9 h le matin. 9 h le matin. Je 9, fais le matin. this means 9 o'clock a.m. 9 o'clock a.m., ok. OK. Le petit déjeuner. Le petit déjeuner. Le petit déjeuner. Oui, très bien, le petit déjeuner. So, we can look a little bit at the vocabulary, donc le vocabulaire. Le vocabulaire ici. So, le vocabulaire. So, you don't need to know everything, hein? You just need the most important that we see, ok. Hein? So, you can remember if you want. La boîte. La boîte. La boîte is La just boîte. the disco place, the box. The box or the disco. The disco, the club. The club, you know, young people like to go, la boîte. La boîte. Je fais les courses. De faire les Yeah, courses. I go shopping. Je fais les courses. Le déjeuner. Le Déjeuner. déjeuner. Oui, très bien. The lunch. Le déjeuner. Oui, très bien. Le déjeuner. Le déjeuner. Je dors. Je dors. I sleep. Je dors. Dormir. Je dors. Je dors. Le foot. Le foot. Le football. Je joue au foot. Le foot. Je joue Le footing. Le footing is à running. foot. Le Running. footing. Oui, très bien. Le footing. And then, je fais le ménage. Je fais le Le ménage. ménage. The rest, I think, is. Le ménage. Ah ouais, je joue au tennis. Le tennis. Je joue au tennis. Ouais, je joue. Je joue au tennis. Yeah, I think the rest is okay. Hein? You can remember, ouais, je m'habille, which means I get dressed. Je m'habille. Je m'habille. Ou. Je m'habille. I think the rest is okay. Hein? There is two verbs that they write is je lis, which means I read, et j'écris, which means I write. You know, je lis, I read and I write. Okay. I think it's okay. I'm not sure if it's. Maybe we could stop for today. What do you think? Okay. Maybe let's stop for today, okay? Okay. And I talk to you next time, okay? D'accord? Et yeah, Okay and just remember this and we'll do finish it next time, okay? Enfin, the lesson, okay? Bon, bah, salut, salut, then. hein? Je te laisse, hein? Salut, salut! Okay. Okay, Bye bye, salut! then. Okay. Bye. Bye bye, salut! Bye.